où d'aller. Attendez. J'étais là en train d'attendre la voiture et il y a une de mes couturières qui est passée comme par hasard. Donc là, on va retravailler un peu avant d'aller à l'expo. On va visiter son atelier un peu plus tard, si je peux, bien sûr. D'ailleurs, on y va. Donc on va aller à la maison, on va aller un peu travailler. Parce que j'avais besoin d'elle, mais il fallait que je passe chez elle le lundi. Je lui donnais des tissus qu'on avait oublié parce qu'elle était là hier soir. Hein. Tu étais là très tard hier soir et on a déjà oublié. Donc, voilà. C'est trop marrant de se filmer. Trop marrant. Bon voilà, vous allez voir la route. C'est mieux. Bonsoir, Vanos et Lika. Je voulais vous amener dans cette vidéo à une expo vente, mais rien ne s'est passé comme prévu. Je vous explique. J'ai voulu prendre ma voiture, mais elle ne démarre plus. J'ai dû donc appeler un de mes cousins pour venir me chercher, mais il va pouvoir se libérer que dans une heure. Et heureusement que j'ai vu Tata Elise, du coup je lui ai proposé de venir avec moi à la maison pour terminer ce qu'on avait commencé. Toujours filmer la route, non? Attends, les coups. Là, je filme là, c'est bon. Bon. Attends, ta bavette au moins. Oui, j'ai pas mis mon masque. Mon Dieu. C'est vrai que j'ai pas mis mon masque. Nous sommes restés environ une heure à la maison et comme mon cousin n'est toujours pas arrivé, j'ai profité pour vous filmer la galerie Patio. Vous savez, c'est là où s'est tenue l'expo sur les savoir-faire togolais. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, bah, je vous invite à le faire. Les œuvres que vous êtes en train de voir en ce moment sont réalisées par l'artiste peintre Jean Koumi. Si vous voulez savoir un peu plus sur nos artistes peintres, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Heureusement que je peux faire des voix off parce que j'ai remarqué que dans mes vidéos, dans mes vlogs, j'oublie facilement la caméra. Du coup, je ne vous parle pas directement dans la vidéo et je pense que c'est pas très plaisant pour vous.
Dans tous les cas, je compte m'améliorer dans mes prochaines vidéos, hein, et vous parler directement. J'aime beaucoup ce sac, je trouve qu'il a une forme originale, je trouve sa forme vraiment très sympa. Mais le fait qu'il soit rembourré le déformait à mon avis. Et je pense que je vais l'utiliser plutôt comme un porte-document pour pouvoir conserver sa forme. Dites-moi quelle couleur vous préférez pour le sac, mais moi j'ai une grande préférence pour le bleu. Déjà j'aime beaucoup la couleur bleue et le motif m'évoque plein de souvenirs. J'ai eu deux coups de cœur. Le premier, ce sont ces paniers avec l'intérieur en wax. Et le deuxième se trouve à l'extérieur que je vais vous montrer tout de suite. Finalement, mon cousin est arrivé après 3 heures. Du coup, j'ai bien fait de vous amener avec moi dans la galerie. Comme ça, j'ai pas perdu de temps. Voilà. Je vais vous montrer mon deuxième coup de cœur. Il s'agit de cette lampe faite avec des bouteilles de vin et du bois brûlé. C'est une lampe qui s'appelle Ezonaki. Les Togolais vont bien comprendre le jeu de mots.
Mimi, j'ai le temps. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite de la galerie Passion. Je vais maintenant aller à mon expo. Denise, merci beaucoup. Oui. Oh là là. Bon, bon, on y va. Il y a Christiane. Salut. Voilà, c'est la fin. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. Je vous dis à très vite dans une très prochaine vidéo. Vous aurez donc la suite de celle-ci. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo aussi, cliquez sur j'aime, ça me fera toujours plaisir. À très bientôt.